Alors, on continue notre aventure, enfin moins mon aventure dans Air Studio. Peut-être que ça mettra là. Alors 1 plus 1 c'est toujours 2. Alors ça sera un commentaire. Ok, donc comme en Python. Ouais, donc ce serait peut-être le truc qui se rapproche le plus de Python, sachant que Python apparemment ils ont. Ils se sont rapprochés de R avec des inclusions de grosses librairies, Data Science, Kibylon, NumPy, Panda, machin, compagnie. Et apparemment, ce machin, ça reste le Net Plus Ultra pour le Data Science et la Stat, peut-être les probas aussi, je sais pas. Ok. Alors on va checker la suite. Names. Options. C'est quoi ce truc name? Déjà c'est quoi names? Ah c'est une fonction. D'accord, ok. Skip. Alors, 1 sur pi. Ouais, d'accord. Puis enregistrer. C'est quoi ça? Donc, ça demande le nombre de décimales par défaut. Donc, c'est 7. Il y en a bien 7 là. 6 plus 3 plus 7, ouais. Apparemment, on peut le afficher 10. Ouais, 10 kits égale 10. Bref. Et pour quitter la console, non, et ouais, c'est ça, voilà.